C'est donc Mystère et Ho qui ont permis au Cirque du Soleil de s'implanter dans la ville du jeu et du coup, de devenir un incontournable dans l'offre de divertissement à Las Vegas. Et comme le succès génère de la demande, les projets se sont enchaînés. En 2003, le spectacle Zoomanity prend l'affiche, suivi de K un an plus tard. Le Cirque du Soleil lance un cinquième spectacle permanent à Las Vegas en 2006, Love, une production qui célèbre l'héritage musical des Beatles. En 2008, Criss Angel et Believe accueillent ses premiers spectateurs, suivis de Viva Elvis en 2010. Le roi de la pop, Michael Jackson, fait son entrée sur la strip en 2013 grâce à la nouvelle production One. En mai 2022, Matt Apple fait sa première à Las Vegas. Après 30 ans, le Cirque du Soleil est toujours bien présent dans le désert du Nevada avec 6 productions actives, ce qui représente 60 spectacles par semaine.